Coucou. Olé olé, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé War pour un reportage comme j'avais jamais fait de ma vie. Il y a des trucs comme ça, j'ai beau être un petit peu pas tout jeune, mais il y a des trucs qu'on n'a jamais fait. Jamais, jamais. Et là, vous allez voir une vidéo inédite sur la chaîne, mais il y a une bonne raison. Vous avez vu la miniature tout à l'heure, la thématique de cette vidéo, c'est la montagne connectée. Là, je suis à Val Thorens. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est sublime. Mais qu'est-ce qui se passe à Val Thorens? Il y a des pistes, parmi les plus grandes pistes au monde, avec les trois vallées. C'est la station la plus haute en Europe, mais il n'y a pas que ça. Il y a la sécurité également. Et pour la sécurité, on fait la montagne connectée. Dans cette vidéo, vous allez voir des trucs de folie. Vous allez voir des drones, vous allez voir des PC sécurité. On va monter en dameuse pour voir des tas de trucs. Bref, ça va être une vidéo comme j'ai jamais eu l'occasion de vous offrir. Et je suis super fou de joie. Parce qu'en plus, les équipes ici à Val Thorens m'ont vraiment mis entre les mains de professionnels, du drone, de la sécurité, de l'informatique. Il y a des vidéastes, il y a tout ça. Vous allez voir tout ça, justement, dans cette vidéo. Accrochez-vous, ça va neiger. Mais on a le cœur chaud, n'est-ce pas? Du soleil partout. C'est parti pour le top départ de la montagne connectée. Vous allez apprendre des trucs de folie parce que là, je fais l'intro et j'ai déjà tourné la vidéo. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est dingue. C'est dingue ce qu'ils font. Voilà. Allez, à tout de suite. Hein. Pff, ciao. C'est beau. Hein. Regardez comme c'est beau. Sécurité des pistes. C'est là où on s'assure bien sûr de la sécurité de tous les gens qui sont ici. C'est un début de reportage, je pense que c'est une des séquences qu'on va placer dans le reportage, je ne sais pas encore quand, mais c'est ici que ça se passe. Je vous montre encore un petit peu d'abord Anne-Laure qui est ici. Coucou Anne-Laure. Et regardez, plaisir des yeux. En plus il fait super beau. Le domaine est magnifique aujourd'hui. Magnifique. Oh là là. Et hop, c'est parti. Damien et Anne-Laure sont ici, service des pistes. On va commencer par voir un petit peu du côté des drones. Allez, vous vivez avec moi. C'est go. Bon, je vous explique. On va faire voler le drone et pour ça, on a dû s'éloigner justement des pistes. Il faut qu'on aille loin des endroits où il y a des hélicoptères, because, en effet, si le drone vient en face d'un hélicoptère, il y aura un petit problème. Donc on était dans un endroit qui est un peu préservé de tout ça, une petite zone pour faire voler le drone et avoir en même temps les explications de Damien sur l'utilité des drones ici en montagne. Parce que l'idée de cette vidéo, c'est la montagne connectée. Qu'est-ce que Val Thorens a fait pour rendre l'endroit ici, donc les trois vallées, encore plus safe pour le public? Donc bien sûr, le drone est un élément important qu'on ne pouvait pas avoir avant, c'était uniquement des hélicos. Donc le drone peut rendre service très rapidement parce qu'il peut décoller très vite et tout. Voilà. Ah, pff, commence fort, casse la gueule. Salut Damien. Salut Pépé. Ça va? Eh ben ça va bien, ouais. Alors regarde, belle journée quand même pour faire voler un drone. Ouais, on est pas mal, ouais. On a une bonne visibilité, pas trop de vent. Zéro vent. Température tranquille. Zéro vent même, regarde. Ouais, c'est du délire. Nickel. Alors avant que ça vole, avant que ça vole cette affaire, tu m'expliques un petit peu l'utilité du drone ici dans ta station. Vous en servez pour quoi exactement? Alors concrètement, ben, en fait nous on s'est équipé de drones depuis 2-3 ans on va dire. Donc cette année on a réinvesti un peu dans des drones DJI Enterprise, donc qui sont plus faciles à transporter, on va dire. Un kilo, c'est ça? Donc un peu moins d'un kilo, ouais. Voilà. Et alors ça reste quand même de la haute technologie, vu qu'en fait on a quand même une caméra avec une définition assez clean. T'es en 4K, c'est ça dessus? Voilà, et donc une caméra infrarouge hein, qui permet donc de localiser des corps vivants chauds, que ce soit humain ou animal, on va dire. Voilà, donc l'idée de base, vous, ici, vous avez des drones, on est dans la montagne connectée, et ça, enfin, quand ça vient en soutien d'un hélicoptère, ou c'est ce qu'on envoie en premier pour repérer quelque chose ou quelqu'un, ou pour les avalanches? Alors, concrètement, vraiment en cas d'alerte, hein, donc ça va être, bien sûr, de l'intervention terrain, hein, ça, on ne pourra jamais s'en passer, mais l'intérêt du drone, ça va être donc d'avoir un aperçu aérien, autrement dit, surtout de la levée de doute. C'est-à-dire que quelquefois, on va avoir des coulées de neige, donc des avalanches, où en fait, on ne sait pas s'il y a quelqu'un ou s'il y a quelqu'un. Donc en fait, l'idée, ça va être d'aller faire des clichés en zoomant, justement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de traces entrantes dans l'avalanche ou sortantes. C'est-à-dire que s'il y a zéro trace, on sait qu'il n'y a personne dessous. Il n'y a pas de traces ou pas un bâton ou une paire de gants, quoi. Après, ça peut être les indices de surface. Donc s'il y a quelqu'un, en général, ils perdent leur ski, leur bâton. Si on localise un bâton, bah forcément, là, on sait qu'il y a quelqu'un dessous. Donc on va envoyer les équipes. Alors la caméra thermique, en fait, elle va nous permettre
observer donc un corps chaud. Par contre, elle va pas pouvoir savoir si quelqu'un est sous la neige. La neige est un isolant, hein, donc zut. Voilà, ça c'est un peu dommage. Bon, la technologie en elle-même va évoluer de toute façon. Nous, on utilise ce qu'on appelle des DVA, hein, donc les DVA, les détecteurs de victimes en avalanche que j'ai toujours sur moi, hein, en tant que bon pisteur. Et que n'importe quel rider est censé avoir avec lui aussi. Donc là, ben, quelqu'un qui va se faire prendre dans une avalanche dès lors qu'il est équipé du DVA, en fait, il va envoyer, émettre un signal qu'on va retrouver avec un autre DVA en surface. Donc ce qui va permettre de localiser la victime. Avec le drone, pour l'instant, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait équiper le drone d'un DVA. Voilà. Donc ça reste que de la technologie. À mon avis, ça va aller assez vite. Mais il y a déjà des prototypes, hein, qui existent. C'est-à-dire que là, on ne pourra pas sortir la victime avec le drone. Mais si on retrouve la victime, on localise avec un système de marquage par peinture ou voilà, que le pisteur arrive derrière, il voit que là, il y a un problème, il y a quelqu'un dessous, et ben, il va pouvoir sonder et se mettre à creuser tout de suite sans être obligé d'attaquer par la recherche DVA. Alors Damien, qui a ce boîtier? Tu me parles de DVA depuis le début, mais quels sont les gens qui sont ici, dans vos clients, qui ont ces boîtiers? Alors, c'est ça vrai le truc. Que c'est assez rare, c'est assez onéreux. Hein. Un DVA, ça coûte dans les 300 euros. Donc, c'est en général la clientèle qui est, comme on dit, les freeriders. Allez, souvent, dis-le, le hors-piste. Le hors-piste. Allez, vas-y, les mecs, ça, ils s'en vont. Allez. Donc, c'est un peu ce qui fait rêver, hein, aussi. Les super conditions, les belles traces dans la neige vierge. Sauf que ben, quand tout décroche, et ben voilà, c'est là qu'il faut être équipé donc, d'un DVA, d'une pelle et d'une sonde. Et jamais partir tout seul. Ce qui fait que répète ça, c'est important. Voilà, ne jamais partir hors piste tout seul. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, et on ne se lance pas tous en même temps dans une même pente. On fait toujours du un par un. D'accord. Et du coup, ben, ça permet qu'il y ait toujours quelqu'un pour alerter. Hein, en fait, d'accord. C'est fondamental. Après, bon, bah, nous, avec le drone, c'est vrai que si on a un doute, on va voir une coulée sur l'autre versant, bon, bah, là, on sait pas s'il y a quelqu'un, machin. Il n'y a pas eu d'alerte, mais on pourra toujours faire un petit vol, aller zoomer sur les dépôts d'avalanche, tout ça. Voilà, dès lors qu'il n'y a pas de trace ou d'indice de surface, on sait qu'on peut lever le doute et donc l'utilité du drone est là. Quoi. Alors, moi, j'ai une question, Damien. Vous avez combien de drones? Là, tu me montres, c'est un petit, en fin de compte. Alors, celui-ci, c'est le petit. Ouais. Vous en avez un plus gros, c'est ça? Alors, on en a un deuxième beaucoup plus gros, donc qui fait 7,5 kg, c'est le 210 de chez Maverick, donc qui est un DJI aussi, et en fait il a la capacité ben, d'aller bien plus loin et également une optique très performante, hein. En fait avec un zoom, là d'ici on arrive à voir une petite perche qui est fixée dans la face ouest de Péclet là-bas. Juste en zoomant, en fait. Donc, on pourrait dire qu'on repérerait un être humain avec la caméra, quoi. Ça, donc, l'intérêt, c'est d'éviter de se mettre en zone dangereuse avec le drone et de travailler plus sur l'optique, en fait. Alors, est-ce que le drone et l'hélicoptère travaillent de concert ou bien c'est compliqué d'avoir un drone près d'un hélicoptère? Comment ça se passe quand quelqu'un, vous repérez quelque chose qui ne va pas, le drone sort de la zone et c'est l'hélicoptère qui vient derrière? Ouais, en fait, il faut largement éviter de voler ensemble. On a, comme on disait, donc le risque R, hein, un drone dans un rotor d'hélico, bah, l'hélico, il tombe, hein, forcément. Donc là, si un hélico passe à proximité, on pose le drone et on arrête tout de suite. D'accord. Et vous, alors, puisque tu es un pisteur, moi j'ai la chance d'interviewer un pisteur. Ton rôle de base, c'est quoi le pisteur? C'est que le matin, tu te réveilles et tu vas essayer de voir s'il y a des risques d'avalanche. Comment ça se passe, ta vie? Alors, sur une idée un peu large, en fait, le rôle du pisteur, c'est tout ce qui concerne la sécurité d'un domaine skiable. Donc on est en charge de tout ce qui va être balisage, hein, donc bien sûr pour ne pas se perdre, de protection aussi, donc de tous ces pylônes, ces enneigeurs, ces filets aussi qui vont éviter de tomber dans des barres rocheuses. Donc tout ça, bah, ça demande de l'entretien et c'est les pisteurs qui s'occupent de cet entretien. Mais c'est également le damage.
Hein, vous avez pu remarquer, tous les matins, les pistes sont damées par des engins de damage, des dameuses. On en a un dans la vidéo, parce que je vais faire du dameur tout à l'heure. Enfin, du dameur, c'est pas du rameur. Ouais, je vais faire une dameuse. Ah, le mec, donc, mais j'ai honte. Donc, qui est d'une technologie assez élaborée également, hein, parce qu'une dameuse, c'est pas rien non plus. Ah ouais. Mais c'est vraiment ce qui permet de profiter des pistes de ski en toute sécurité, et donc qui s'ouvre au plus grand public, on va dire. Vous êtes combien de pisteurs ici? Parce qu'il y a trois vallées, c'est très très grand, c'est le domaine skiable le plus grand au monde. Vous êtes combien? Ouais. Alors, donc nous, la régie des pistes, elle concerne la vallée des Belles-Villes avec les Menuires et Val-Thorens. Donc, pour notre entreprise, donc la régie, ça va être dans les 200 salariés, dont on va dire 80 pisteurs. Donc, une quarantaine sur les Menuires, une quarantaine sur Val-Thorens. Avec les jours de congé, hein, donc on est à peu près 30 à 35 actifs par jour, quoi. À côté de ça, donc on a les équipes de dameurs, bien entendu, qui eux vont être une vingtaine par station. Donc en actif, ça va faire des équipes de 10 par station. Donc ça fait quand même du monde à gérer. Mais on a également nos administratifs qui gèrent tout ça, bien entendu. Et donc, on a besoin d'eux aussi. Bah ouais. Tout ce qui est niveau culture aussi, hein, donc la fabrication de la neige. On dépend quand même pas mal de cette neige de culture, qui, je précise, n'est absolument pas néfaste à l'environnement, vu qu'en fait, l'eau est restituée dans la nature. Ça, c'est mon petit témoignage perso. C'est bien de le dire, parce que je sais que j'aurai des questions. C'est en tout cas bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, merci Damien. Est-ce que tu considères le drone comme une option, un complément, ou quelque chose de parfaitement vital à ton métier, à toi, maintenant? Bah là, aujourd'hui, en fait, on peut dire que c'est du complémentaire. Ouais. Du complémentaire. En fait, je pense que ça restera complémentaire parce qu'on ne se passera jamais des bras sur le terrain. Et donc, par contre, c'est un outil exceptionnel parce que des vues aériennes en montagne sont fondamentales, quoi. Bien sûr. Donc voilà, après, ça reste un outil, hein, bien entendu. On ne remplacera jamais l'hélico, on ne remplacera jamais les pisteurs. Et par contre, bah, l'idée, c'est vraiment de venir aider pour optimiser les secours en zone délicate, ou simplement le faire de la levée de doute, donc simplement se dire qu'on est sûr qu'il n'y a personne dessous, ou la personne n'est pas accrochée dans les barres, ça veut dire qu'en fait on expose moins le personnel aussi. C'est-à-dire que les pisteurs n'auront pas besoin d'aller se mettre en danger, quoi. Et est-ce qu'avec le drone, une simple vue de drone, on peut essayer de voir si une avalanche peut arriver ou il faut aller plus loin que le drone? Parce que c'est vous, en général, qui vous faites ça, vous les pisteurs. Ouais. Mais est-ce que le drone peut déjà, avec une... Vous regardez l'image du drone, ah bah là, il y a un problème. Tu peux déjà le voir avec un drone? Alors, ça peut être utile aussi, hein, bon, sachant que le drone est un peu sensible au vent et à ouais. la visibilité, bien tout sûr. À fait. Mais faut savoir que oui, on gère tout ce qui est déclenchement artificiel avalanche. Hein, donc, forcément, il y a quand même l'efficacité de l'humain, hein, du pisteur avec expérience qui va pouvoir dire attention, le vent souffle comme ça, les pentes de ce versant-là vont être chargées, on va déclencher principalement ces pentes dangereuses. Ça, bon, après on a tout un tas d'outils, hein, aussi pour analyser, mais c'est vrai que la connaissance du terrain est fondamentale, quoi. Donc avant tout, on fait toujours un petit check, hein, donc les hélices, on vérifie qu'il n'y a pas d'impact. Bon, on fait brièvement parce que de toute façon, on le fait régulièrement tous les matins. La commande, donc, qui est un petit peu le volant du drone. Alors ça, c'est le coupe-circuit qui est un système obligatoire, en fait, pour pouvoir voler en S2. Ce qui veut dire qu'en fait, si on va trop loin, qu'on perd le drone de vue, en fait, il faut qu'on puisse couper le drone en cas de perte de contrôle ou d'avion ou d'hélico qui débarque. Donc, avant de décoller, on vérifie tout ce qui est pylône, câble. Vous voyez, les lignes de tension sont derrière, il n'y a pas de télésiège aux alentours. Donc, on est prêt à partir. Hein. Donc, là, il m'indique, on a 14 satellites donc, qui sont connectés sur le drone. Oh là là. Alors, on n'approche pas trop. Normalement, c'est 3 mètres. Hein, alors, 1, 2, 3, voilà, c'est bon, je suis là. Bien. Merci, Damien, de Allez, protéger également parti. Ma santé et mon corps. Décollage. Alors on se met assez haut, de façon à faire le check. Hein. Donc, on le tourne, on vérifie que tout fonctionne avant de partir. Si tu avais, toi, vu quelque chose, t'appelles directement tes potes et vous intervenez. Voilà, moi je vais leur dire, tiens, le blessé, il se trouve à telle balise sur la piste. Hein. Je rappelle que les balises, en fait, c'est le système de localisation sur piste avec des numéros. Et sachant que...
La une est tout en bas de la piste. Le voici, le voilà, vous le voyez arriver. J'essaie de cadrer comme je peux parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Pas se poser visiblement, mais... Vous voyez cette image qu'on vous offre ici, l'image d'un drone avec le fond de la montagne connectée. Si ça, c'est pas le meilleur reportage de la Terre, je veux bien être chauve. Mission accomplie. On est très heureux qu'il ait pu voler sans avoir à détecter quelqu'un qui se serait fait mal. Tant qu'à faire. Voilà. Eh ben merci à vous. Ciao, ciao, ciao. On vient de finir donc l'interview. Voilà, c'est penché tout ça. On vient de finir l'interview. Oh là là. Hop. Mais non, en arrière de rien du tout. Moi, je suis tout petit, donc le centre de gravité n'est pas le même. Et maintenant, on va voir le boss du monsieur. Quoi. Pff, on va donc au PC drone, PC sécurité, tout ce que vous voulez. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Allez, c'est parti. Allez, hop. Sécurité des pistes. Eh bien, maintenant, on va voir un logiciel. La façon de s'en servir et à quoi ça sert, le ski flux. J'en sais pas plus. On va interviewer un monsieur qui va expliquer comment ça fonctionne. C'est pour la sécurité des pistes, donc parfaitement dans le cadre de la montagne connectée. Mais j'ai pas de... J'ai les commentaires en même temps. Bonjour. Ça va, Sébastien ? Ça va très bien. Alors, ton job ici, c'est quoi exactement ? Alors, moi, je suis directeur du service des pistes de Val Thorens. Donc, mon job consiste à ouvrir les pistes et fermer les pistes et en assurer la sécurité en journée. Et pour ça, tu as des outils ? Oui. Assez important que tu vas nous montrer parce que tu m'as fait la démo tout à l'heure, j'étais assez scié. Alors c'est quoi ton outil principal? Ça s'appelle SkiFlu, c'est ça? SkiFlu. SkiFlu, oui. Alors SkiFlu, en fait, ce sont des capteurs installés sur des caméras qui nous permettent de, en temps réel, à l'instant T, d'avoir le nombre de passages skieurs sur la piste. Et ça te donne quoi? C'est-à-dire que ça te permet de savoir si une piste est encombrée, s'il faut la fermer, la dégager. Ça te permet de savoir quoi? Savoir combien de skieurs il y a en même temps sur une piste? Alors, ça nous permet à long terme de prévoir des travaux l'été, éventuellement de créer une piste supplémentaire si possible, de l'élargir, de modifier le passage, ou sur le sommet des pistes, d'indiquer une autre piste aux skieurs pour aller plutôt sur un autre itinéraire, plutôt que de passer celui où il y a déjà du monde. C'est le périph', quoi. C'est le trafic va ailleurs, parce que là c'est plein, quoi. C'est des panneaux lumineux, c'est quoi? C'est des panneaux LED? C'est Waze des routes, en fait. Voilà, c'est le Waze. Ça permet un petit peu de diriger les clients sur d'autres pistes et pour le coup découvrir un petit peu une autre partie du domaine. Alors pour ça, tu as donc cet outil qu'on va voir dans quelques instants. Alors ça se comporte de quoi? C'est un logiciel, tu as des caméras qui sont reliées. Tu sais combien tu as de caméras, combien il y a de pistes couvertes, tu sais ça ou pas? Alors il y a 5 pistes qui sont couvertes comme ça sur Val Thorens. Et nombre de caméras, tu sais? J'ai 4 caméras. 4 caméras. 4 caméras. Après, il y a d'autres systèmes qui étaient un peu plus anciens où il n'y a que des capteurs. D'accord. Donc là, tu peux nous faire une petite démo parce que là, je vois un truc sur ton image qui est absolument dingue. C'est quoi ça? C'est en temps réel? Ça, c'est en temps réel. C'est les passages donc, sur une piste. Vous voyez, donc là, c'est sur un créneau de 10 minutes. Voilà, on peut voir qu'au départ, c'est plutôt un départ de cours, une piste beaucoup fréquentée aussi pour les retours. On peut voir que sur 10 minutes, il y a plus de 100 passages, vous voyez ici, en 10 minutes. Super. Donc après ce passage-là, les gens se dissipent un peu sur le domaine. Et là, on revient sur le créneau de 11 heures où les gens retournent sur la station, vous voyez? Ouais. Donc voilà, donc ça sur 10 minutes. Alors peut-être ça paraît pas important parce que sur 10 minutes, si on fait sur une heure... On s'aperçoit tout de suite que ça fait beaucoup de passages. Et ah ouais, 11h, 12h, voilà. Comme je vous dis, 500, c'est le... Voilà, on arrive pratiquement à 500 passages. D'accord. Et est-ce que toi, tu sais, sur ta station, ici, sur les pistes que tu couvres, donc les 5 pistes, tu sais combien il y a de skieurs en moyenne par jour? Il y a combien? 2, 3, 4 000 personnes? J'arrive pas à me rendre compte du tout. Tu sais à peu près ça ou pas? Alors, on fait un ratio, en fait, avec voilà. les passages, les remontées mécaniques. Donc, sur les grosses journées, on a plus de 190 000 passages remontées mécaniques. 190 000 passages? Oui. Donc, nous, on estime à 10% les skieurs, donc 19 000 sur la journée. C'est assez ouf. Donc là, est-ce que tu as également un retour caméra qu'on peut voir ou tu as quelque chose qui peut nous montrer? Parce que j'ai vu tout à l'heure un truc avec des vecteurs, des couleurs, des tas de choses sur ton logiciel. Donc, SkiFlu et non pas flou comme la grippe en anglais. ça m'a troublé. Là maintenant, c'est regardez, souriez, vous êtes filmé. Ce sont les caméras en temps réel. Ce sont les temps réels. Donc c'est la piste dont on vient avoir les statistiques à l'instant. Donc voilà, il y a les capteurs. En fait, ça fait comme une ligne comme ça qui compte tous les skieurs. On en a une ici, on en a une ici.
Donc voilà, sur cette piste qui était très fréquentée, on a pu faire une deuxième piste qui se trouve maintenant sur l'amont de cette piste. Alors quand c'est possible, voilà, ça permet de fluidifier un peu le trafic. Je vais te poser une question concernant la sécurité. Là, tu as des caméras, entre guillemets, de contrôle et en même temps de contrôle de nos Oui. personnes. Est-ce que vous êtes en train de regarder ces caméras tout le temps pour checker si quelqu'un tombe ou si quelqu'un tombe, il y a suffisamment de gens autour pour dire, ah, attention, quelqu'un a été envoyé, il vous contacte. Oui, non, on ne check pas tout le temps les caméras. Nous, on a un standard pour les appels téléphoniques. Donc Sébastien, on peut voir ici justement, c'est dans une bande de démo, hein, les capteurs, enfin c'est imagé, on va voir le déplacement des skieurs de façon imagée. Oui. Ça, c'est vos datas. On voit ici des datas Oui. de tracking et autres. Exactement. Et là, Voilà. regardez, regardez, regardez. Chaque décompte se fait entre passages. Donc les couleurs, c'est juste pour cibler un Pour peu les décorer. skieurs, pour décorer. Mais voilà. Par contre, dès que les lignes là, rouges s'allument, eh ben voilà, c'est un passage skieur à chaque fois. Et voilà, et on en a 21. Voilà, on change de caméra. Et dès qu'un skieur passe, on attend un petit peu. Il y a moins de monde sur la piste. Ok, donc ça c'est vraiment ton logiciel, c'est vraiment tout le Ouais, et travail voilà. du data. Voilà, ah, Voilà, voilà, on voit bien. hop, le décompte. C'est top, et tu as un décompte qui se fait ici à chaque Oui, fois, tu as un c'est tracking et ça. le, voilà, qui se fait Voilà, et là. après on a l'historique de la journée, de la saison. Carrément, historique journée et Oui, saison. oui, oui. Donc en quelque sorte, c'est le bison futé des pistes, c'est vraiment un truc qui est génial pour fluidifier en fin de compte vos pistes. Oui, exactement. Et ça permet aussi d'indiquer d'autres pistes aux skieurs, parce que c'est vrai que les pistes les plus fréquentées, c'est celles qui sont visibles souvent du siège et dont on a accès directement à la sortie. Donc d'indiquer d'autres chemins, ça élargit le domaine, on va dire. Voilà. Est-ce que les gens suivent vos indications? Parce que quelquefois, est-ce qu'ils peuvent les voir? Est-ce que ça s'est affiché seulement clairement? Parce qu'avec le soleil et autres, est-ce qu'ils suivent les indications? Ou hop! Oh, on n'a pas vu, nous! Je ne sais pas s'ils suivent vraiment, en tout cas, mais en tous les cas, on leur donne l'info. Voilà. C'est adorable. Merci Sébastien, c'est passionnant. Merci à toi. Merci beaucoup. De rien. Et Bonne ciao. journée. Ciao. Ça se passe très 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 bien. Donc là, c'est le milieu de la vidéo, c'est le milieu du tournage. Donc c'est décomposé en deux parties. Il y a eu deux interviews, il va encore y avoir deux interviews. Et on finira avec le clou du spectacle. Et c'est parti, je vais équiper celle-ci avec les GoPro. Yeah. Bon là, on a une journée d'enfer en plus, il fait super beau, c'est de la folie furieuse. Génial. Ça vous plaît? Ça tombe bien. C'est moi qui l'ai fait. Oh là 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 là, oh là là, séquence émotion. D'ailleurs, la voiture est en alerte. Nous allons vivre une séquence étonnante dans cette vidéo. Nous allons vers la dameuse, enfin les dameuses. Vous allez voir ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est qu'une dameuse. Et nous allons donc monter tous ensemble. Vous êtes avec moi, je vous prends par la main à chaque fois. On va donc monter dans une dameuse et aller faire les hauteurs et en même temps interviewer quelqu'un dans la dameuse. Je vais vous expliquer des tas de choses. Regardez, voilà les dameuses qui sont des éléments super importants ici dans la station. Je vais vous montrer un peu. Oh là là, on le fait en direct comme ça. Voilà les dameuses qui sont prêtes. Prête à décoller. Moi, je veux celle-là, c'est la plus belle. Regardez cette vue incroyable. Alors qu'il est 16h50 ici à Val Thorens, donc on commence à fermer les remontées mécaniques. C'est-à-dire que maintenant, on n'achemine plus les gens vers le haut. Et justement, une fois que c'est fermé complètement, on pourra faire intervenir les dameuses. Ce plan incroyable, je vous fais un grand plan. Tiens, voilà. Waouh! Comme c'est beau! Les images sont magnifiques! J'en peux plus de vous offrir ça! Les dameuses de l'Ouest, ce chant de dameuses avec ce début de coucher de soleil ici à Val Thorens, c'est à pleurer. Donc tout à l'heure, on va monter dans une dameuse et direction les hauteurs. Mais avant, on va aller voir Gilles qui va me parler un petit peu des dameuses et de tout le métier qui est autour des dameurs. Et Gilles, c'est le patron des dameurs. Incroyable, regardez un peu, regardez ça. C'est trop fort. Mouah! Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va Gilles? Très bien, merci. Formidable, je suis content de vous voir, on ne peut pas savoir parce que c'est un rêve de gosse d'être ici. Alors vous êtes le patron des dameurs, enfin des dameuses. C'est quoi la dameuse d'abord? Alors la dameuse, bah, c'est une machine qui sert à faire l'entretien des pistes de ski sur Val Thorens et ailleurs. Vous en avez combien ici dans votre parc? 14. 14 dameuses qui couvrent toutes les pistes des Trois Vallées ou uniquement ici? Non, uniquement Val Thorens. Val Thorens 14. Et vous êtes le patron. Et dans ce cas-là, il faut un logiciel pour vous aider, voire deux. Alors il y a des gens qui vont venir tout à l'heure, ce sont des dameurs, qui sont donc des gens qui vont conduire les machines. On montera avec eux tout à l'heure. Mais ils viennent ici, ils prennent entre guillemets vos ordres, et ils voient en même temps ce qui s'est passé la veille. Comment ça se passe? En fait, ils vont arriver dans peu de temps. Ils vont venir voir le travail qui est à faire, qui est sur ces feuilles. Donc là, on a le travail du poste de ce soir, pour les 10 chauffeurs de ce soir. Et là, on a celui du matin pour les 10 qui vont arriver à 3h du matin. À 3h du matin. C'est ça. Parce que, dites-moi, actuellement, ils ont fermé les remontées, ça y est, à partir de 16h30, Ouais, 17h. 17h30, ça sera fermé. Ils ferment les remontées et vous intervenez à partir de quel moment, vous? Et ben, à partir de ce moment-là, à 17h30. 17h30. Donc ce soir, il y a 10 chauffeurs qui vont partir.
sur le domaine de Val Thorens. Ils vont rentrer à 1h du matin. Une deuxième équipe va arriver à 3h et va travailler jusqu'à 9h30 demain matin. Et le rôle de la dameuse, c'est je ne connais rien du tout. Donc en fait, on peut faire plein de choses avec une dameuse. Allez-y, dites-moi tout. On peut faire du bulage, ce qu'on appelle du bulage, c'est-à-dire déplacer des masses de neige. Vous verrez ça tout à l'heure. Ouais. On peut faire du fraisage, ce qui est fait avec l'outil arrière qui s'appelle une fraise. On peut faire du transport avec des paniers ou simplement en mettant du matériel sur le plateau. Et on a également une machine cabine qui nous permet de transporter du personnel. D'accord, mais l'idée c'est de préparer une piste pour le lendemain. Quelle est l'idée de base par rapport à ça? Eh ben, l'idée c'est de procurer aux clients des pistes parfaites pour le lendemain. Donc c'est du délire. Et donc 10 chauffeurs arrivent tout à l'heure, vont travailler. Ils ont un outil de travail pour ça qui est informatique ou uniquement vos feuilles qui sont ici, Gilles? En fait, ils peuvent... On a un outil qui s'appelle le SnowSat, on peut tout savoir SnowSat. Dessus. Mais la première chose, ils vont aller voir autre chose qui s'appelle Vision Garage. Oh. Et là, en fait, on a toutes les machines du parc, ainsi que les VL, ainsi que les scooters, les ambulances, tout ce qui concerne les véhicules, routiers ou non, de Valto. Et là, ça va nous donner des couleurs. Donc, par exemple, la 95 est indisponible. Si on va voir plus près, on va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a un code d'erreur qui est affiché. Ouais. Et donc, la personne l'a rentré, elle a marqué bloquante parce que ça concerne les freins du véhicule. En fait, dans un moment, vous verrez qu'elle sera ouverte parce qu'elle a été réparée entre-temps. Et donc, le deuxième logiciel, c'est le SnowSat. Et là, on peut tout savoir. Là, ici, vous avez, depuis le début de saison, aujourd'hui et dans la semaine, le mois, les heures qu'on a déjà travaillé. Sur la saison, vous l'avez ici, c'est-à-dire 12 491 heures, 37 minutes, 51 secondes. Et vous avez des trucs sur les accidents qui ont été rencontrés, des trucs comme ça. Parce que là, quand j'entends SnowSat, SnowSat, je pense à un satellite. Comment fonctionne ce système? Comment est-ce qu'il fonctionne concrètement avec les pistes? Parce que je vois des tas de choses. Ici, ça correspond à quoi, ça, Gilles? Alors là, c'est les pistes qui ont été entretenues hier avec les codes couleurs qui correspondent au numéro des machines qui ont été utilisées. Et toutes les pistes qui ont été travaillées ont une couleur. D'accord. Celles qui n'en ont pas, n'ont pas été travaillées. Okay. On n'en a pas beaucoup, quelques-unes. D'accord. Et quand votre chauffeur est dans sa machine, il est en liaison avec une sorte de QG par radio, s'il lui arrive quelque chose, il est perdu dans le noir, comment ça se passe avec vos machines? Alors en fait, on a des liaisons radio-hertziennes, on a des cartes SIM qui nous permettent d'avoir certaines données, et la troisième, c'est un système GPS qui est embarqué. D'accord. Et qui va lui surtout nous donner les hauteurs de neige qu'on a sous la machine. Waouh! En fait, au mois de septembre, on a un survol qui est fait par soit un avion, soit un hélico, mm-hmm. qui s'appelle un LIDAR. Ça nous permet d'avoir les données des hauteurs du terrain nu l'été. Et ensuite, quand la machine passe, on a la différence de hauteur, de hauteur qui nous donne la hauteur de neige. D'accord. Et cette hauteur de neige, vous l'avez tous les jours avant que les machines démarrent? Ils savent déjà, avant de partir, quelle est la hauteur de neige sous leur chenille ou pas du tout? Alors, on va le savoir, mais s'il y a eu des chutes de neige dans la nuit, c'est au moment où la machine va passer à l'endroit précis où qu'on va avoir la hauteur de neige. C'est en temps réel, dès que les machines sont passées, dès qu'elles rentrent au garage, on a une vidange sur une borne Wi-Fi et voilà. Mais c'est du délire. C'est un monitoring complet de toutes les pistes. C'est ça. C'est du délire. Et sur la partie droite, ici, vous voyez, on a une tendance à... soit une augmentation, soit une diminution, soit on reste stable au niveau de la neige, avec à côté le pourcentage de crédibilité. C'est ouf. Donc avant de monter dans leur machine, vos chauffeurs savent déjà dans quoi ils s'aventurent, entre guillemets. C'est puisqu'ils ont les données, ils ont le data. Est-ce qu'il y a des moments où vos machines sont carrément inutilisables, because c'est pas possible de les utiliser? C'est pas Pourquoi? Possible de les utiliser parce qu'il y aurait trop de neige ou trop de ci ou trop de ça ou des situations d'avalanche qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y a des moments où la dameuse, on dit bon là vaut mieux pas envoyer les gars? Alors oui, il est certain que si on a un risque 5, on va pas envoyer des risque gars. Risque 5, c'est le maximum, c'est pour ça. Vous. On va pas envoyer des gens au casse-pipe. Par contre, il y a des endroits où ils vont aller. D'accord. Ils vont quand même pouvoir monter sur les sommets, au moins pour faire un accès pour le lendemain. D'accord. On nous annonce un accident. Il y a un truc. Est-ce que les dameurs sont chargés également d'aller voir récupérer des gens ou je ne sais pas, ou gérer un problème d'accident, ou c'est aux hélicos de le faire? Alors, on le fait, mais dans ces cas-là, il y a soit la journée, on peut éventuellement intervenir sur des coulées, sur des avalanches, en emmenant du matériel. On peut le faire également en recherche de nuit. Mm-hmm. Si quelqu'un s'est perdu, on peut aller éventuellement le récupérer. D'accord.
Après, en secours, c'est rare. Nous, chez nous, ça concerne uniquement le vallon du Loup. Dans ces cas-là, on descend avec la cabine, on récupère le blessé, on le remonte en station. D'accord. Voilà. À condition que les hélicos ne puissent pas voler. Voilà, ne puissent pas voler. On va dans les détails maintenant, parce qu'il veut aller plus loin, Gilles. Alors, regardez ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, j'ai zoomé sur une partie qui est rouge là, donc on n'a pas beaucoup de neige. On a exactement 0,19 mètres, donc 19 cm de neige. Le relevé, il a été fait à 8h35 le 13 mars par le véhicule 593 et le point qu'on a regardé, il est à 2324 mètres. Et vous avez ça pour tous les points distensibles sur le... Enfin, alors, vous l'avez partout, quoi. C'est un monitoring complet, c'est la montagne connectée. C'est tout le nom de cette vidéo vient avec ce que vous nous montrez actuellement. C'est ça. La montagne est entièrement connectée en tout point et en temps réel. Après... Je dis waouh, moi je dis waouh, Gilles. Vous vous rendez pas compte à quel point je dis waouh. Allez, après, on va voir autre chose, vite fait. Allez, amusez-vous, vous avez envie de vous amuser. Allez, on s'amuse, on est tous là ensemble. Allez, voilà, c'est quoi? Là, c'est le travail qui est pour demain. Voilà. En fait, on va cliquer sur une piste. Ouais. Voilà, ça sera la piste des dalles. De Jérémy. Voilà, c'est Jérémy qui va la travailler. Et il a du fraisage à faire dans le poste de ce soir. Et vous verrez tout à l'heure que depuis le véhicule, il va pouvoir valider si la piste est faite ou pas. D'accord, parce que le véhicule est en liaison également avec ce système. C'est ça. Et vous ouvrez les pistes à quelle heure le matin, Gilles ? À 8h45. 8h45, les gens peuvent skier avec des pistes entièrement balisées, toutes neuves, toutes fraîches, toutes belles. Ah, pas toutes, mais plus de 80% des pistes, oui. Les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Parce qu'ils se lèvent le matin, ils vont skier, ils ne se doutent pas de tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Heureusement. On a carrément la vitesse moyenne, là, d'un véhicule, qui est ici, c'est 10 km/h. Voilà. La vitesse moyenne. Et si on clique dessus, on sait où il est. Où il a fait cette vitesse. Bah oui, tout est mappé, tout est satellisé, c'est ouf. La montagne connectée plus que jamais. En fin de compte, plus rien ne peut arriver, entre guillemets, parce qu'ils sont entièrement monitorés du matin au soir. Non, mais en tout cas, pour le chauffeur, c'est quand même une sacrée aide, parce que même dans la nuit, la tempête et tout, il sait où il est, et il peut rentrer sans souci, quoi. Tellement bien, cette sécurité que vous offrez. Et là, ici, c'est un... C'est une page qui nous permet d'avoir toutes les statistiques qu'on veut avec tout ce qu'on veut dedans. On voit une machine là, Gilles ? Oui, mais elle est au garage. Alors en temps normal, quand elles sont dehors, on peut les localiser facilement sur cette page. Donc on a le numéro de machine. Et si on tombe sur une machine Treuil, on a également le petit fil qui la relie à son ancrage. C'est-à-dire qu'on sait si le Treuil est utilisé ou pas ? Tout à fait, en temps réel. En temps réel, vous savez ce que fait la machine, quoi ? Oui. C'est du super monitoring. C'est du délire. Non, mais c'est surtout que si on a des déclenchements d'avalanche ou quoi que ce soit, ça nous permet de savoir où sont nos machines et de pas leur déclencher une coulée sur la tête. C'est super important. Et en plus, toutes nos machines à l'intérieur, ils ont un calque qui leur indique dès qu'ils pénètrent à l'intérieur d'une zone de dépôt d'avalanche. Mmh. Donc, dès qu'ils rentrent dans une zone d'avalanche, c'est flouté rouge, comme vous avez sur la carte du PIDA là-bas. Ok. Voilà. Là, vous avez toutes les avalanches de Valto. Et dès qu'il pénètre, par exemple, sur la piste de la Christine, ici, ça sera flouté rouge, et donc le chauffeur va te dire, est-ce que j'ai le droit d'y aller ou pas ? C'est des pistes dangereuses, donc ils sont susceptibles d'avoir un problème. Voilà, c'est une piste où il y a un risque. Ah ben franchement, depuis 30 ans, il y a 30 et quelques années que je suis au service des pistes, c'est la première fois où vraiment il y a quelque chose qui sert au chauffeur, quoi. Parce qu'on a amélioré le confort des machines. Mais en dehors de ça, ça on l'avait pas avant. Il fallait venir se promener l'été pour savoir où on pouvait récupérer de la neige pour enneiger les pistes. Alors que là, on sait combien on a de neige sur la machine. Et ça fait combien de temps que ce système existe ? Vous travaillez avec... Ça fait une dizaine d'années. Dizaine d'années, vous travaillez avec Snowsat. Ouais. Du délire. Merci beaucoup, Gilles. Pas de rien, avec plaisir. Merci. Nous voici avec Quentin, que vous voyez pas encore, et c'est mieux. Et nous allons vers son engin de la mort. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Et nous allons vers son engin de la mort, qui est donc une dameuse. Et c'est dans la dameuse que nous allons vivre une des meilleures séquences de cette chaîne YouTube. Parce qu'on va équiper la dameuse de GoPro, on va équiper Quentin d'un micro et on va filmer. On va monter en haut de combe. Je ne sais pas ce que c'est merveilleux. Oh la vache, je vous fais un grand large. Vous voyez un peu la taille du truc. Folie. Donc dans quelques instants, on va monter à bord
Et je vais m'arranger justement pour vous donner les meilleures images possibles, parce que j'essaye en même temps d'avoir les images nocturnes, c'est-à-dire le moment où on va voir la dameuse avec les phares, avec le reflet de la neige, tout ça. Et je vais mettre une GoPro en même temps sur un des pans, et on va voir ce qu'on peut filmer. Voilà. Et ça va être top. Comme neuf. Voilà une autre dameuse qui est en train de partir. Et c'est parti, je vais équiper celle-ci avec les GoPro. Meilleur moment de ma carrière. Franchement, là c'est difficile de faire mieux. Ça va Quentin ? Ça va, et toi ? Je suis ravi d'être avec toi à bord de ton super engin, ta dameuse de l'espace. Et donc là, c'est ton univers, c'est-à-dire c'est là où tu bosses toutes les nuits. C'est ça. Et tu fais ce taf depuis combien de temps, Quentin ? Là, c'est ma sixième saison, là. C'est le sixième hiver. Non, en fait, à Valto, on est trois équipes de 10 chauffeurs, donc on est 30 au total. Ouais, 30 au total. Et on travaille en 4-2, on est en travail posté. Donc du coup, on fait 4 jours le soir de 17h30 à 1h du matin. Et après, il y a une équipe qui attaque à 3h du matin. Oh là, mais ça descend d'un coup, là. Jusqu'à 9h30. Oh ! Excuse-moi, je te couvre, mais là, c'est pour ça que tu as une manette pour s'accrocher. Enfin, tu as une sorte de poignée pour s'accrocher. C'est que ici, tu es censé avoir des sacrés dénivelés. Et là, si j'ai bien compris tout à l'heure ce qu'a dit Gilles, toi, tu as également ce système ici de SnowSat qui est devant toi, c'est qui ça. Te permet de savoir où tu roules. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de neige, pas beaucoup de neige, tu le sais avant de partir. Voilà, c'est ça. On le sait aussi en direct. Gilles le voit au garage sur l'ordinateur. Et nous, on le voit là en direct, on a la hauteur de neige en instantané là en haut. Ouais. Et après, on a une échelle de couleurs qui nous... Ça donne une idée globale de comment la piste est enneigée. Alors, donc, explique-moi ce que tu fais là, parce que je suis en train de voir un truc avec le smartphone. Là, tu es en train de faire quoi exactement? Ça s'appelle comment? Là, on nivelle, on peut dire qu'on nivelle la piste. En fait, on ramène la neige qui est sur le bord de la piste au milieu de la piste, parce que quand les gens ils skient la journée, et ben, l'effet naturel fait que la neige part sur le côté de la piste. Et nous, du coup, le boulot de la nuit, c'est de la ramener, de la remettre en forme sur la piste. Et de niveler en même temps, éviter les bosses, je sais pas, parce que tout a bugé. C'est ça. On casse les bosses, on enlève toutes les traces de skieurs, et après derrière, la fraise, elle fait... Il y a les rouleaux dans la fraise qui... Il rend la neige, je sais pas comment t'expliquer, mais ça fait de la neige un peu comme de la farine, et après du coup elle est toute, elle est plus molle, elle est plus malléable, et, ouais. Et les tapis finisseurs après font que ça fait tout beau propre. Voilà, ça fait un truc comme on voit là, parce que là pour le moment on est dans ta cabine, on voit l'avant de ta dameuse, mais à l'arrière tu as la fraiseuse, en fin de compte, qu'on ira voir tout à l'heure à l'arrêt, qui ben justement c'est une double action, parce qu'il n'y a pas que l'avant, il y a également l'arrière de ton véhicule qui travaille. C'est ça. Alors là les gens ne se rendent pas compte, mais on a des beaux dénivelés, là ça tombe d'un coup, et c'est pour ça moi je me tiens. Ici, je mets les pieds là parce qu'on est en train vraiment de plonger. Hein. On se rend peut-être compte au smartphone avec en plus, oh là là, regardez un peu la neige qu'on redéplace et qui va être à nouveau fraisée par la dameuse. La dameuse, elle est thermique, Quentin. Ouais, ouais. T'as une quelle autonomie ? C'est un moteur thermique qui entraîne après des moteurs hydrauliques. Ouais. Et en autonomie, on a de quoi faire les 6 heures de travail. Là. 6 heures de travail. Ouais. Mais là encore, ça va parce que là, il fait jour. Est-ce que la nuit, il t'est arrivé de te faire des frayeurs quelquefois avec la dameuse du temps où le système existe depuis 10 ans ici? Mais c'est pas un peu flippant la nuit tout seul avec des moments où peut-être les orages se lèvent ou un truc comme ça, de la neige très très fort? Il n'y a pas des moments un peu waouh? Si, quand c'est un peu la tempête, en général, ça met un peu plus de stress. Mais sinon, après, on est... Oh là là! Comment ça monte? On est dans une machine, c'est assez sécurisé et tout. Elle est safe. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il nous arrive des choses. Si on ne cherche pas la merde, on la trouve pas. Si on ne cherche pas la merde, on la trouve pas. Si j'ai bien compris le système que m'a expliqué Gilles, vous êtes tout le temps géolocalisé, vous êtes tout le temps repéré par le système, par SnowSat. Ouais, on est localisé sur la carte. Après, ils peuvent y voir à distance. Et après, de toute façon, on a la radio pour communiquer entre nous s'il y a un souci. Regarde la route. Ah, bon, regarde, le mec, on est au bord du ravin. Je te dis franchement, Quentin, s'il te plaît, tu vois, on se connaît pas beaucoup, mais s'il te plaît, regarde la route, quoi. On sait jamais ce qui peut arriver, parce que voilà. Non, mais il n'y a pas de raison. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de raison. C'est tout plat, là. Alors oui, c'est bien. Ce qui est bien dans ta cabine, c'est qu'il fait bon en même temps, il fait super chaud.
On ne se rend pas compte que tout à l'heure, il va faire moins 7 degrés dehors, voire moins 10. Ce qu'on vit, c'est dingue. Parce qu'il y a le dénivelé en même temps, vous ne pouvez pas ressentir, mais les smartphones font ce qu'ils peuvent pour tenir, pour rester droit, parce qu'ils sont fabriqués, les stabilisateurs, pour rester droit malgré tout. Donc vous n'avez pas la pente qu'on a nous. Eux, ils stabilisent en récupérant, entre guillemets, la pente et rester droit. Mais nous, on ne le vit pas comme ça. Nous, on est... On monte, on descend, on est sur les côtés. C'est trop fort. Donc là, tu as 9 collègues qui travaillent en même temps que toi. C'est ça. On est 5 chauffeurs de treuil, donc c'est les mêmes machines que moi, là. Tu connais la puissance de l'engin ou pas du tout? Ça fait un petit peu plus de 500 chevaux. Ah ouais, quand même. Et son poids, tu le connais? Le poids, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que là, une machine avec un treuil, on est autour de 12 tonnes. Combien? 12. 12 tonnes! On a intérêt à être certain de l'endroit où on passe. Donc là, explique-moi sur l'écran que je suis en train de filmer ce que l'on voit. On voit la dameuse en action avec l'avant et l'arrière. C'est ça. Alors en fait, l'écran, ça nous permet d'avoir le compte pour le régime moteur, le gasoil, la D-Blue. Après, là, c'est les réglages pour la fraise. Donc ce qui permet de lisser derrière. Et en fait, après, c'est les différents modes de la fraise. Regarde la route. Ce qu'on a sur... Ça va bien se passer. Non, mais c'est pour aller dans tous les réglages de la machine. Après, on a Là, on a l'horamètre, tout ce qui est pour les heures de la machine. Là, on a quelques réglages Là, c'est pour les feux. On a... C'est un vrai tableau de bord, quoi. C'est ouf. Et là, t'as SnowSat, là. Et là-bas, j'ai SnowSat, oui. On a déjà tout expliqué avec Gilles. Il a vraiment été très prolixe là-dessus, sur SnowSat. Donc, on est dans une cabine, en fin de compte, entièrement moderne, connectée, surconnectée, mappée, géolocalisée, satellisée. C'est ça. Puis on a même la caméra. On a les caméras aussi. Oh la vache. Bah, c'est obligatoire. Hein, on a les caméras arrière. Pour reculer, comme on n'a pas de visibilité derrière. T'as une caméra, deux caméras sur le mode. On en a, elles arrivent avec deux, mais on a celle-là qui est la principale. D'accord. Après, on en a une sur la fraise là, mais la mienne est en panne. Et... Ça tombe bien. Du coup, puis on s'en sert pas beaucoup. Donc là, ça se manipule très facilement. T'as pas un volant, t'as plus une sorte de. T'as un joystick. Voilà, en fait, le joystick c'est pour la lame, la fraise, et après j'ai mon volant qui est vraiment. C'est comme une voiture. Bah, après, c'est ça. Je le bouge pas beaucoup. On peut régler la sensibilité. Donc après c'est assez réactif, j'ai à peine besoin de le tourner pour que la machine elle aille à droite ou à gauche. Et après j'ai mon joystick pour gérer ma lame sur le papier. Et là tu as le retour justement de ce qui se passe, c'est-à-dire que tu sais exactement ce qui se passe. Là on monte, c'est 15 degrés, hein. On c'est est ça. Donc un peu plaqué au siège. 18 là. 18 maintenant. Et la dameuse elle s'en fout, le truc de 12 tonnes, 500 chevaux, je m'en fous, je monte moi. Et vous commencez à voir des très belles couleurs dans le ciel, c'est très très beau. C'est cadeau des dieux, là. Hein. Donc maintenant, quand vous irez skier, vous penserez à cette séquence. Vous direz, voilà, il y a des gens comme Quentin qui bossent. Et d'autres qui toussent. Oh là 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 là. J'espère vous déguster. Hein. C'est sublime. Voilà, Inception. Que des S23. Ultra. Oh là là, derrière, c'est superbe. C'est sublime. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà des anecdotes avec des gens que tu aurais retrouvés ici, par exemple, qui ne seraient pas descendus? Il y en a bien... Ça arrive quelques fois dans la saison. Après, moi, ça m'est jamais arrivé de retrouver quelqu'un perdu au milieu du domaine, au milieu de la nuit. Mais ça doit arriver. C'est déjà arrivé à des collègues. Ouais, ouais. Donc ça doit faire drôle quand même. Vous avez quelqu'un qui est paumé dans le noir... Et vous êtes là pour damer, il faut sauver quand même quelqu'un, quoi. Bah, c'est ça. D'habitude, on est plus habitué à voir des bestioles que de voir... Alors, c'est quoi les bestioles? Ouais, c'est surtout des renards. Des renards, des blanchots, c'est le lièvre variable pour un peu plus général, mais... Non, plus des renards, vraiment, ce qu'on voit le plus, c'est ça. C'est... 2600, mais voilà. C'est déjà... 2650. Qu'est-ce que c'est beau! On est pas mal, là. Ah là, on est bien. Il y a un beau bureau. C'est vrai que toi, t'es à ton bureau, là. Ouais, quand il fait beau, c'est sympa. Quand on n'y voit pas, on n'y voit pas. De toute façon, quand il voit pas, tout est balisé. T'as la piste est balisée, t'as c'est des... C'est ça, ouais. Après, on travaille beaucoup avec le SnowSat. C'est un bel outil qui nous a bien... Enfin, moi, j'ai toujours connu avec ça, parce que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que ça existe.
Donc j'ai toujours connu ça dans les machines. C'est vrai que le jour où c'est en panne, ben, pour travailler, ça ne nous empêchera pas de travailler, mais c'est vrai que quand on l'a, ben, c'est un plus pour... Est-ce que tu te sens plus en sécurité avec ce... Tu te dis, ben, je pars, mais je ne pars pas vraiment à l'aventure parce qu'il y a le SnowSat. Plus en sécurité, pas forcément, parce que... Après, quand on est sur la piste, on sait où on est. Après, c'est un agrément, c'est un confort, parce que quand on ne voit pas à 10 mètres, que c'est la tempête qui a les rafales de vent, ben, on ne reste pas forcément à la maison, on est dehors à bosser. Et ben, du coup, ça nous permet de savoir si on est vraiment sur la piste. Donc, pour le coup, on aura plus les yeux sur le SnowSat que sur ce qui se passe vraiment dehors. Mais ouais, c'est un agrément, c'est un confort. C'est naviguer aux instruments, parce que par moment, quand il y a vraiment une grosse tempête, tu navigues aux instruments. C'est ça, ouais. Mais avant, comment les gens faisaient, avant 10 ans ben, parce que ça fait 10 ans que ça existe. Ils faisaient, mais ils avaient des balises, des repères peut-être avec quelques balises. Après, de toute façon, on voit toujours, ouais. Parce que même s'il y a tempête, les gens ils vont quand même skier, donc il y aura forcément des bosses. Et une fois que nous on est passé, c'est damé derrière. Donc après, on s'aligne à cette passe. Le jour où c'est en panne, faut savoir travailler avec, enfin, sans le SnowSat. Sans le SnowSat. C'est un plus en fait. Faut savoir travailler sans. C'est des métiers prisés. Après, Et toi, t'as fait une formation comment? Je veux dire, il y a combien de formations? Je veux dire, j'ai 20 ans de formation assez fou parce que vous êtes en montagne quand même. Il y a des risques. Il y a quand même là, si vous continuez tout droit, vous avez un ravin, quoi. Je veux dire, il y a quand même des super risques. Donc, vous êtes formé comment? En combien de temps? Alors, il y a une formation nationale qui existe, qui s'appelle Cédianège. On a eu une semaine de formation. Moi, quand j'ai attaqué, on a eu une semaine de formation. Après, là, pour Valto, tous les chauffeurs qui sont embauchés, enfin la grande majorité, on a forcément eu un pied dedans avant de postuler. On est venu faire des tours en machine. Mais t'es un enfant du pays, toi, ou pas? Pour les Bellevillois, non, moi, je suis pas d'ici, mais... tu sais, la guerre entre... Moi, je suis né en bas à Annecy, et parents... Ouais. Mes parents sont d'ici, mon père il fait sa 42e saison là cette année. Waouh! Moi j'ai fait 3 semaines en bas. C'est fabuleux. Bah ouais, mais il fait sa 42e saison en tant que moniteur. C'est génial. Et moi je suis né en bas, il y a eu le temps d'acclimatation et quand le médecin il a donné le feu vert, je suis monté là et pendant 14 ans, à part les vacances, j'ai été toute l'année là. C'est un enfant du pays, attends, arrête. Ouais. Mais les Bellevillois diront que non. Les Bellevillois diront que non, mais quelque part, voilà, t'es un enfant de la montagne. Ouais, voilà, bah j'ai. Enfin, Valto c'est chez moi. Hein, même voilà. Si... Et quand tu vois Valto comme ça au loin, parce que là, je vais vous faire un zoom. Hop, hop, il est tout au loin là-bas. Et voilà, Valto est là et nous, on est super loin. Vous allez voir. Ah, puis là, ouais, la météo, c'est pas mal. La météo vous permet de le faire, voilà. Là, on va savoir si t'as le cœur bien accroché. Ah, j'ai le cœur bien accroché, j'ai jamais eu le vertige de ma vie. Donc, on va attaquer la rouge, là, ça veut dire quoi, attaquer la rouge? Et bah, haute combe, là, c'est une piste rouge, là, on est monté par une piste bleue. Ah, c'était une gentille, là? Ouais, c'était une gentille. Le mec. J'y crois pas. Et maintenant, on va attaquer le truc. Il faut s'accrocher dans la tameuse. Alors, regardez un peu. Alors, le coucher de soleil. Il y a le bord ici, hein. Tu sais ça? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? On monte là? Non. On va s'attacher là. Oh la vache! Mais non, mais moi je veux pas. Mais oh la vache! Mais c'est pas possible. On peut pas monter là. Non, mais on va pas monter. On fait la marche arrière. Là, on. En fait, on a des chaînes là sur le sommet des pistes. Ouais. Et ça nous permet d'accrocher le câble là à la chaîne. Ça. Voilà. Et après, on descend dans la piste. Pardon? Non, mais oui, ça va bien se passer. On va tenir bien un câble. Mais c'est une blague, je savais pas ça. Il faut voir ta cabine à monter et descendre en plus, ça, regarde. Là, c'est mon siège, bah moi j'ai le confort quand même. Mais nous, on l'a pas. Non. Les caméramans, c'est à la dure. Mais attends, on va accrocher. Les 12 tonnes à ce câble qui va s'accrocher là et on part en marche arrière dans le vide. Non, on marche avant. Ah, j'ai rien compris, j'ai déjà peur. J'y crois pas, mais... T'as bien mis le frein à main? Ouais. J'ai envie de crever. Et maintenant, donc on est accroché. Donc là, on va faire la procédure de mise à feu. Enfin, de mise en tension. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais ça va bien se passer, là. Voilà, donc le câble est là. Vous avez le treuil qui est ici. Donc, c'est une sécurité pour la machine. C'est ça. Bah, c'est une assistance, en fait. Mais ça, non. Ça retient la machine à la descente. Regardez. Il passe ici. Regardez, il passe là-haut. Il passe là-haut. Il est là. Ça retient la machine avec ce treuil. À la descente, en fait, ça nous retient un petit peu pour pas qu'on parte un peu en glisse. Pardon? Si ça doit partir en glisse. Si ça doit partir en glisse, on est accroché au petit bâton là-bas.
Voilà. Non, mais après la chaîne est accrochée à un caillou hein, quand même. Hein. Caillou, mais on s'en fout de ton caillou. Et ça fait 12 tonnes ton machin. Alors voilà, en effet, regardez le treuil derrière. Et qui est là, qui bouge. Voilà, et là, vu que j'ai mon super tripode, on a ça pour la sécurité. Je vais donc là, ça dehors. Le volant, voilà, est comme ça. Voilà. J'hallucine. Et le volant, je peux le régler pour. Mais non, mais non, mais c'est comme dans Avatar. Après, il y a un logo, c'est réfléchissant, ça fait de la lumière et ça fait du bruit. Donc, Quentin nous a laissé tout seul dans un véhicule dans lequel il n'a pas foutu le frein à main et qui fait 12 tonnes accroché à un bâton derrière dont on ne sait pas ce qu'il y a, à un caillou. Et nous, on est là et il y a la descente monstrueuse ici de la piste noire. Et nous, si on est lâché maintenant, il n'y aura jamais de vidéo. Voilà. On est content que tu reviennes. Et peur que je revienne pas ? Bah je sais pas, si tu lâches tout et nous on lâche rien. Bon là faut s'accrocher. C'est ça, bah là c'est bon. Bon ouais. Je mets le pied ici, voilà. Parce que ça va descendre tout droit. C'est ça. On va descendre à fond. Accrocher ce mot de compte. Toi tu t'accroches là, attends je vous montre un peu. Donc tu t'accroches ici. Après ça. Moi ça je suis accroché. Ça va bien se passer. Oh là 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 là. Donc c'est bon, on est accroché. Je vais vous faire un plan large. Voilà. Et là, on tombe. Oh là là, ouais. Oh là 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 là. On est comme ça. On peut pas se rendre compte avec les smartphones, ouais, ils compensent. Ouais. Ils compensent. Ils sont là pour compenser. Ça va, on sent en sécurité. Mais donc derrière, tu as ce câble qui nous tient tout le temps. C'est ça. Bah, y a à peu près 1000 mètres. Il y a un kilomètre de câble. C'est ça. Après, là, j'ai la molette là en haut. Qui me permet de gérer la tension. Donc au minimum, on est à 800 kg et au maxi, on est à 4 tonnes et demi. 4 tonnes et demi. Donc il y a un truc que je me pose comme question, parce que là, on descend vraiment, mais c'est du délire. Le câble est fixé là-haut. Il va falloir le récupérer, ce câble. Il faut donc repartir en marche arrière. Non, bah on fait demi-tour. Il faut donc remonter tout ça. Mais je veux pas. Donc ce qui me sidère, c'est que là, on avance, on a toujours le câble qui est accroché derrière nous. Ouais, bah après, le câble, en fait, il suit, on verra en remontant. Mais en fait, le câble, il suit la piste et il se cale sur les rebords de piste. Et... Oh là là, regarde. Regardez, le câble. Depuis tout à l'heure, le câble est avec nous, quoi. Il est là. C'est ouf. Donc on part dans l'autre sens et on suit le câble. C'est ça. Et là, moi, après, je gère juste la tension du câble pour que ça m'aide à remonter. C'est ouf. Un peu mieux le câble. Ce qui est beau à la montagne, c'est quand on arrive sur les sommets et qu'on voit, comme si on se doute que derrière c'est magnifique. Oh là 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 là! Là on casse la neige complètement, on casse les bosses, on casse tout. Et l'engin de 12 tonnes qui s'en fout, qui monte avec ses chenilles, avec ça. Le ciel là. Oh là là, c'est superbe! Super beau. T'as mis ta petite balise pour bien expliquer ce que t'es en train de faire. C'est ça. Et on retourne au poteau. Voilà, avec le treuil qui est là, qui se déplace. Voilà. Degrés, là. 17 degrés de dénivelé, on est à 5-6 km/h et la dameuse s'en fout complètement. Elle pousse la neige, elle pousse tout le monde, elle fait 12 tonnes et elle monte. Elle s'en fout. C'est super beau. On a 25. 25 degrés de dénivelé. Est-ce que ça peut caler cette machine ? Normalement, non. Après, suivant ce qu'on fait, des fois, ouais, ça arrive. Quand on pousse de la neige, qu'on est un peu trop gourmand, des fois, ça, si on lève pas le pied à temps, ça arrive à caler. Ouais. Ça arrive à caler. Ouais. Là, en fin de compte, si je regarde bien, tu es localisé. Je vois ta machine là. Ouais. Et on peut voir celle des autres collègues aussi, si on les voit. D'accord. S'ils passent pas loin, on peut les voir. On voit et ta machine. Et voilà. Le trait blanc là, c'est ce qui symbolise le câble aussi pour les collègues. Ok, le câble comme est ça, visualisé. Ils peuvent voir, ouais. Oh la vache. Je vais essayer de filmer plus près, mais ça bouge beaucoup. Voilà. Peut-être pas une tonne de neige dans la lame, mais pas loin. Ouais, il y a facile une tonne de neige en train d'être déplacée dans la lame en bas.
Donc on a des morceaux qui sont gigantesques là. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure que tu pousses sur le côté en même temps la neige. Ouais, je la redécale. Tu la redécales. Pour la bonnet, ouais. Puis la prochaine fois que je viens. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu vas caler, fais gaffe. Non. C'est ouf là maintenant. Là c'est ouf. Ah là, t'avances plus très vite, hein, Quentin. Non, non, bah là j'ai mis le treuil à fond, là, pour pas qu'on s'enterre. Ce que je veux pas, c'est qu'on parte en marche arrière, Quentin. Non, 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 ça, tu vois, ça, y a pas de risque. Alors là, c'est à nouveau la descente. Oh ! Yes ! Et voilà, tu sais où t'as besoin voilà. De reneiger en regardant SnowSat. Donc les couleurs, c'est la hauteur de neige. Voilà, c'est, on a une échelle, ça va de 0 à plus de 3,20 m, et... Après, tous les 20 cm, ça change de couleur. ...19h10, la nuit est tombée. Ça va devenir super impressionnant. On descend comme des malades. On a juste envie de gerber, on est content. C'est vachement bien. Moi, je reviendrai. Franchement... Tu l'as. Ça y est, il s'en va. Ça y est, il s'en va. Je me casse la figure. Et c'est la dernière montée. Et donc là, après qu'on ait fait cette montée, la piste sera considérée comme damée. De toute façon, il est géolocalisé. C'est-à-dire que s'il fait une connerie ou s'il ne travaille pas, son patron peut le voir. Il paraît qu'on peut même voir si vous mettez le clignotant ou pas. Ouais. S'il y a une ampoule de grillé. Une ampoule de grillé, ton patron peut le voir à distance, quoi. C'est ça. Donc si tu bosses pas, il peut le voir. Si je fais la sieste, ouais, il va le voir et ça va mal se passer, je pense. Oh, le truc. Ça a l'air d'être bien ces logiciels, mais en fin de compte, pas du tout, quoi. Officiellement, la mission est terminée pour cette piste-là. Voilà, pour cette partie de piste, c'est fini, là. Tu fais voiture balai, c'est ça? Ouais, c'est pas voiture balai, mais... C'est presque ça. C'est arrivé qu'il y ait des clients, suivant le GPS, qui se retrouvent au milieu d'une piste et... Mais non. Du coup, c'est déjà arrivé, ouais. Et avec le treuil, vous les sauvez quelque part. Alors, il va partir à l'arrière du véhicule? Non, je le mets là sur le côté. Tu le mets là sur le côté. Ça va être bien, le micro Oh là 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 là. Oh là là, tu le fais exprès ou quoi? Voilà, hein, comme ça on partage... Tu sais, les mecs sont vicieux ici, ils sont vicieux à Val Thorens. On partage le bruit. Waouh, 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 waouh. Ah là là, c'était trop génial. Donc maintenant, on va à nouveau accueillir Quentin qui va sortir de son véhicule et qui va me faire un petit peu le tour du véhicule. Bon Quentin, ta machine, tu m'expliques un petit peu, la lame, c'est ça? Alors du coup, on a la lame là devant, c'est ce qui nous a permis de remonter la neige tout à l'heure. Ouais. Alors ensuite, après, on a les chenilles. Mais la lame, c'est marrant parce qu'en fin de compte, c'est plusieurs parties, ça vient aussi, ça bouge aussi cette partie-là. C'est ça, ouais, les oreilles sur le côté peuvent se bouger. Donc là, c'est vraiment l'oreille, après la lame et de nouveau une autre oreille. C'est géant. C'est alors, géant. Après, là en haut, on a le treuil du coup. Ouais. Donc c'est ce qui... Après, derrière, on a le... On a le câble qui est stocké derrière, donc c'est ce qui nous a permis de faire la piste qu'on vient de faire. Voilà, on voit ici, ça bouge, ça. Cette partie-là, avec le treuil. C'est toute la machinerie. Donc après, du coup, là, on a les deux chenilles de chaque côté, donc qui nous permettent d'avancer, tourner, c'est ce qui nous permet de grimper dans la pente et de pas glisser. Et après, du coup, on a la fraise derrière. Alors justement, c'est ça que je voulais que tu m'expliques, la fraise. Voilà, et ben, on va attaquer par là. Donc du coup dessous là, je sais pas si tu vois, non. Mais on a ces rouleaux là. Donc on a des rouleaux qui sont ici, voilà, on les voit. Les voilà. Rouleaux. Et donc ça permet de faire de ramollir vraiment la neige, de casser les blocs. Après on a les tapis finisseurs là. Waouh. Qui font après le joli dessin tout lisse là, et ça répartit un petit peu la neige. Ah là je suis en train de ruiner ton travail. Ouais voilà, bah tu laisses ta trace pour demain. Et ça c'est des petits ailerons et tout, ça bouge ça ou pas? Voilà. Ouais ça bouge aussi, ça permet de ramener un petit peu quand la neige déborde de la fraise. D'accord. Voilà. C'est magnifique, vraiment c'est génial. Alors je te remercie beaucoup Quentin. Bah de franchement rien. Ça a été un kiff total. On va le faire en direct, tu vas me donner ton micro, tu vas remonter dans ta dameuse. Tu vois, jusqu'à 1h du matin c'est ça? Jusqu'à 1h, ouais. 1h du mat. Merci infiniment, les gentos. Je suis sûr qu'ils t'ont adoré. Eh bah, ben, j'espère que ça plaira. Mais ça va plaire. Allez, maintenant. Merci. Eh bah, ben, merci. Check, mon pote. Hop. Allez. Et à la prochaine. J'enverrai le lien de la vidéo. T'avances pas tant qu'on est devant. Non. Ça fait un peu désordre. Ça fait désordre de buter la presse. Allez. C'est super impressionnant. On a eu une chance de folie. C'est parti. Oh là 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 là. Il part vers l'inconnu, dans la nuit, tel un cavalier seul. Regardez,
Ça y est, il n'y a plus rien. On est dans le noir. On va tous crever. Ça y est, il n'y a plus rien. J'y crois pas. Il n'y a plus que la lumière des micros. Et le petit Quentin est parti. J'espère qu'on est au bon endroit. C'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et j'espère pouvoir vous lire et lire que vous avez aimé les gens que j'ai interviewés. Parce que je peux vous garantir qu'ils ont vraiment, vraiment été top. Et c'était un régal d'être ici et d'apprendre des tas de choses sur la montagne connectée. Vous avez vu, tout est lié. Toutes les connexions sont des logiciels, il y a des drones, il y a des satellites. C'est vraiment la montagne connectée, c'est ce que je rêvais de faire. Et j'espère que le message est passé. Voilà, je fais des bisous à tous les gens qui sont dans le coin, à Val Thorens, à tous les saisonniers et autres. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. À très très vite, que ce soit sur les montagnes enneigées, ou bien Los Angeles, ou partout. C'est la life. On finit avec la Tameuse, regardez comme elle est belle. Non, mais c'est dans l'autre sens. Elle est là. Regardez, je suis remonté à bord. Et c'est fini. Ouvrez-moi, il fait moins 50. Ouvrez-moi. Bon, pas vu. Coucou, je suis là. Je suis dehors dans le froid. Laissez-moi, ne m'en même pas. Laissez-moi monter. Ah, quand même. Merci. Bon, bah, c'est les bonus. Enfin, ce sont les bonus en français. Ce sont les bonus spéciales Goutonnet et Casse-toi la gueule, mon pote, sur le verglas. Donc, c'est la première journée de tournage. J'étais sûr. Ici, à Val Thorens, il a fait moins 7 cette nuit. C'est un petit peu... Olé ! Pourtant, j'ai ce qu'il faut. Hein. Il a donc fait moins 7 degrés cette nuit à Val Thorens. Et j'ai donc 2 jours de tournage qui commencent aujourd'hui. Alors, l'idée de base, c'est de vous faire découvrir quelque chose ici à Val Thorens que vous aurez vu dans la vidéo. C'est un système de drone, il y aura plein de trucs dans la vidéo. Mais là, donc, je pars, il est 10h du matin, je pars à l'office du tourisme pour retrouver Anne-Laure. Regardez un peu comme c'est beau. Pour retrouver Anne-Laure, qui va commencer à me faire rencontrer les équipes. C'est une patinoire, sa mère, qui va me faire rencontrer les équipes avec qui donc je vais travailler aujourd'hui, donc les gens que je vais interviewer. Et le truc qui me plaît avec ce genre de reportage, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est que je ne sais absolument pas ce que je vais voir. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une idée avec des drones, il y a une idée au niveau balistique, une idée de mapping des pistes avec des drones. Je ne sais pas trop, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas ce que j'ai pas compris, je suis venu. En même temps, comme j'ai pas compris ce qu'on m'a dit, je dis, est-ce que tu peux m'expliquer en faisant venir dans le coin? Ben, regarde un peu comme c'est beau. Alors, il n'y a pas grand monde ici, parce que là, je viens de quitter l'appartement. Il n'y a pas trop de monde dans les rues, parce que tout le monde est en train de skier. Regardez les belles images qu'on peut faire avec un smartphone. Dès qu'il y a de la lumière, comme ça, il y a 100 000 lux, là, au niveau du soleil. C'est le S23 Ultra qui capte avec la double cam. Hein. Donc voilà. Alors, la double cam est marrante, parce que je peux avoir 2 flux différents. C'est-à-dire que vous voyez très bien que je suis ici. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est pas ça, c'est que les 2 flux sont enregistrés séparément. Ça fait que je peux soit être là, soit disparaître, un ou l'autre. On fait au choix et on mélange les deux. Je choisis tout après. Donc regardez comme c'est beau, Val Thorens. Alors à ma connaissance, vous l'avez vu dans la vidéo, Val Thorens, c'est la station de sport d'hiver qui est d'abord la plus grande au monde. À ma connaissance, avec les 3 vallées. Et c'est la plus haute également. Nous sommes à 2600 mètres. C'est ce que j'ai comme information. J'ai rendez-vous à 10h20. Avec Anne-Laure. J'espère que ça va être une belle journée, parce que là, quand vous avez ces bonus, j'ai encore rien fait, à part dormir à l'appart, et j'ai pas encore commencé le tournage, et je n'ai pas encore rencontré les gens que je dois interviewer. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, c'est tellement beau. Enjoy les belles images. Bon, là, c'est le côté, faut pas que je passe, parce que moi, je suis pas en ski, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a un truc quand même, parce que ça dépend des gens. On est quand même assez haut, 2600 mètres. Il y a des gens qui, quelquefois comme moi, au début, dans tous les cas, les premières heures, ont du mal à respirer. C'est-à-dire que si je me mets à courir, j'aurai du mal à respirer, pas si je suis comme ça, statique. Mais au bout d'un jour, on s'y habitue, hein, mais ça dépend vraiment des êtres humains. Il y en a qui supportent bien l'altitude et d'autres beaucoup moins. J'avoue que moi, j'ai un temps d'adaptation de quelques heures avant de pouvoir faire un jogging ou du ski ou de la luge. Mais je suis très, très nul en ski. Moi, je suis le roi chasse-neige. Parce que j'ai peur de la vitesse en ski, je ne maîtrise pas et j'ai l'impression que hop, c'est le décollage immédiat. Et j'avoue que je suis admiratif devant les gens qui sont capables de faire du ski à grande vitesse notamment.